Durant les vacances, Liévin a proposé des animations autour du livre et de la lecture dans ses différents quartiers. Donc voilà, la semaine dernière c'était au vent de bise avec Nathalie et Cathy. Donc la semaine s'est passée un peu froidement sous le vent, mais les enfants étaient assez contents de la découverte des livres et de l'atelier de marque-page. Et cette semaine on est donc ici à Bloom avec mon collègue Serge. Alors on a amené donc des bacs de livres. Des livres d'horizons différents, de tout âge, des livres petite enfance, des livres pour plus grands, des contes, des magazines, des BD, des livres jeux, donc pour les enfants, pour les adultes aussi. Et voilà, donc on passe un moment avec eux de 3h à 17h. Donc on leur lit, ils lisent aussi eux-mêmes. Et ensuite on fait un petit atelier, donc ce sera pour demain ça, un atelier marque-page. Des flyers ont été distribués une semaine en amont et on est passé hier avec mon collègue faire le tour de la cité, dire qu'on allait être là aujourd'hui et pour avertir les gens que la bibliothèque descendait chez eux. En général, il reste les 2 heures, donc il y en a peut-être 3-4 qui vont reprendre leur vélo et faire un tour avec les copains. Ils viendront nous rejoindre en ramenant d'autres amis. Et voilà, les filles en général restent avec nous pendant 2 heures. Ça dure déjà depuis quelques années et ça marche toujours autant. Les enfants sont vraiment contents de trouver des livres pour s'amuser, des livres vraiment. Là, on apporte de la lecture plaisir. C'est ça, c'est très important pour nous de le signaler. Bien sûr, l'objectif, c'est de désacraliser un petit peu le monde des livres et de la bibliothèque, leur montrer que la bibliothèque peut sortir. Donc, ils peuvent aussi venir nous rejoindre là-bas. Et en général, c'est vrai qu'on a quelques inscriptions à la bibliothèque. C'est beaucoup plus facile ensuite pour eux de passer la porte de ce bâtiment. C'est très, très enrichissant pour nous aussi, pour les enfants. C'est vraiment une rencontre particulière hors mur de la bibliothèque et on apprécie toujours autant ces rencontres avec les enfants autour du livre. Et on a des heures du conte régulières chaque mois sur les deux sites des bibliothèques, donc Place Gambetta et chez Desrousseau. Et on a aussi une heure du conte spéciale bébé une fois aussi par mois le samedi. Donc les heures du conte c'est effectivement le mercredi après-midi et les heures spéciales bébé le samedi matin à 10h30. Une fois par mois. Vous vous renseignez au pôle des bibliothèques ou tout simplement sur Internet. Hein, vous tapez Bibliothèque de Liévin et là vous atterrissez sur notre site où toutes les dates et les rendez-vous sont à votre disposition. Est-ce que vous avez envie qu'on chante ? Ouais.